Salut les copains et les copines, c'est Jackie. Aujourd'hui, je suis avec notre star, Hamza Sen, Cyril Schreiner, que tout le monde connaît. C'est monsieur qui va chez Lidl, chanteur, chanteur, chevalide. Donc, je vais poser 2-3 questions en français et Hamza Sen pour les deux qui nous suivent. So Cyril, quand tu vas savoir qu'on fait dormir dans tes pays, faut que tu fasses pour mon péché qui plaît même en somme chaîne et une sauce. Donc, je traduis, bon, Cyril, peux-tu me dire s'il te plaît pourquoi t'es parti sur Paris, t'es parti rester chez nous en Alsace? Bah malheureusement j'ai dû quitter les Alsaces pour professionnellement en fait, je devais vraiment partir à Paris pour, pouvoir plus me développer et tout, je pouvais pas rester en Alsace sinon j'aurais été là pour manger des flammes et cuches. Tu veux des flammes et cuches? C'est pareil Cyril, tu es comme ça depuis je pars pour moi. Ouais. Que j'ai filmé, un peu mieux d'arrêter dans le terre, je fais les deux hein, franco Alsacien. Donc j'ai vu que Cyril est devenu papa et qu'il a aussi un fils qui s'appelle Albert. Peux-tu nous parler de ton fils Albert? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je précise, Albert c'est un petit carlin. Alors qu'est-ce qui t'a pris l'envie d'adopter un chien et tout? Je sais pas, j'avais trop envie d'un chien depuis petit, du coup je me suis dit ah j'aime trop les carlins, je les trouvais trop drôles et tout. Et vu que ça va bien avec moi, un peu gros et tout, je me suis dit ouais pourquoi pas, du coup je l'ai adopté. En plus je l'ai adopté en Alsace en plus, c'était Alsace. Ah bah voilà toi, donc c'est un carlin alsacien, c'est une fois mieux. Et la dernière question c'est de nouveau, je me rappelle plus, ah ouais, il n'y a pas longtemps, moi c'est l'année que je travaille chez Repstar, j'ai vu chez Repstar les carnets pour nous. Une parodie c'est sur un influenceur, j'ai un Ufelite qui est le mine de l'eau, le versement, bah celui à peu près. Donc on a salade de tête chez Repstar Fekleid, et ça se met, on ne m'a pas oublié la phase. Donc je travaille de nouveau. Il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo avec l'influenceur GM Star qui est très très connu sur Paris environ. Presque autant que lui. Ah, je dis presque autant, gros. On est presque le même niveau. Et ce jour-là, il a déguisé notre GM Star en petite Alsacienne, avec les nids, avec l'œil, et tu as fait manger des plaques, c'est ça, des flammes cuches et tout. Et comment l'idée t'est venue de te déguiser en Alsacienne? C'était pour mettre en avant notre Alsace? Bah oui, bah bien sûr, je vous ai dit, je viens d'Alsace déjà, alors autant je le mets en avant, et lui était d'accord pour se mettre en Alsacienne, du coup, genre, je me suis dit, ouais, grave, faut que j'y vais et tout. Et après, j'ai emmené plein de knacks, de bretzel et tout. Cette vidéo, elle est devenue culte. Et hein, beaucoup qui m'ont demandé, moi, parce que les réseaux sociaux aussi, comme t'as fait le dernier clip, j'adore ça, je te rallie. Salut Nicolas. Salut mamie. Je comprends. Salut. Ils m'ont demandé si jamais un jour, est-ce que t'as prévu un deuxième single, je te souhaite. Et pourquoi tu fais. Beaucoup m'ont demandé ça, pourquoi tu fais pas un duo avec Jérém Star parce que tu as toujours le loup, le renard et la pelette. Alors, déjà, genre les musiques, je compte en sortir des parodies. Ouais. Et après, je sais pas en fait. Ah oui, j'ai réussi à faire ça. Parce que tu as mis les photos dans Halloween et tout ça. T'as dit ce soir, il y a un scoop à 6h sur la chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, bah c'est déjà sorti en fait, du coup c'est sorti. C'est déjà sorti. Ah, midi, je suis en train de faire un shooting. Ouais. Ok, bah en même temps, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à mon fils, à Bruno, il a 29 ans demain. Au fils, je t'aime. J'aime tous mes enfants, voilà. Il faut toujours dire je t'aime à ses enfants. Joyeux anniversaire, Bruno. Et j'en profite aussi pour dire un grand salut. Maman va payer Stan. Donc c'est sa maman quoi. Valérie, Charina, Moscou, trop Moscou, salut Pessama. Tu es là ou pas?